crois. Eric Legault chez Galago Music pour un morceau des Black Box Revelation qui s'appelle Rattle My Heart avec l'accent français. Voilà, c'est un morceau qui a trois accords et qui ne comporte qu'uniquement que deux parties, un couplet et un refrain, donc c'est plutôt simple. Donc tout de suite, les positions de main gauche et puis après je vous montrerai la main droite et comme d'hab, la structure, bien que je ne l'ai pas en tête, mais vous verrez, c'est assez simple. Pour la main gauche, nous avons donc un accord de mi majeur pour commencer. Voilà, celui-là il n'est pas très compliqué, vous placez le majeur et l'annulaire sur les deuxième cases et deuxième cases des cordes de La et Ré et l'index sur la première case de la corde de Sol. Et vous grattez tout, c'est cool. Ensuite, le deuxième accord sur 3, ce sera un accord de La majeur qu'on peut faire de deux façons différentes. Vous pouvez faire la version scout, c'est-à-dire index majeur annulaire sur les deuxième et deuxième cases des cordes de Ré, Sol et Si. Et vous grattez tout sauf le gros mi. Donc vous bloquez du coup le gros mi en question avec le pouce en déposant uniquement sans force par-dessus. Si vous appuyez dessus trop fort, on va entendre une note là, on va entendre un fa dièse qui n'est pas vraiment désiré. Donc vous, juste vous déposez quoi. Et comme ça, vous pouvez tout gratter. Mais dans cet enchaînement, ce serait peut-être plus simple d'essayer un mini barré qui va se placer comme ça. C'est-à-dire on appuie sur 2, 2, 2 comme avant, mais avec un seul doigt, avec l'index. Et pour bloquer le petit mi, pour éviter d'avoir cet accord Beatles là, yeah, avec le fa dièse, vous allez décaler l'index un petit peu vers la gauche. Comme ça, physiquement, même sans forcer, le petit mi va bloquer et donc on ne l'entendra pas. Le pouce toujours par-dessus le gros mi et vous grattez tout. D'accord ? Donc soit ça, soit ça. La seule différence, donc, c'est que sur cet accord-là, on n'entend pas le petit mi. Et le dernier accord, qu'on peut faire également de deux façons différentes, c'est l'accord de Ré majeur, qu'on peut faire soit en petit triangle, avec le majeur sur la deuxième case du petit mi, l'annulaire sur la troisième case du Si, l'index sur la deuxième case du Sol, en bloquant... Il y a mon caméraman qui boit en douce, petit enfoiré. Et vous placez le pouce par-dessus le gros mi, pareil. Ou bien, vous virez carrément le majeur, vous faites un accord, c'est du vous vrai, vous faites un accord de Ré, doigt d'honneur, c'est pas très clean, mais bon, c'est, voilà, c'est comme ça. Et en fait, vous abaissez un petit peu toute la main pour que le petit mi soit barré, soit pluqué. Du coup, on a un accord de Ré, power chord, on n'a pas la tierce qui est dans les cordes aiguës. Et toujours pareil, le pouce par-dessus le gros mi, sans appuyer trop, pour le bloquer. Je vous refais les trois. Mi majeur, le La, soit en scout, soit en mini barré, et le Ré majeur, ou le Ré power chord, plutôt, comme ça. Voilà. Donc maintenant, pour la rythmique de main droite, que se passe-t-il ? On en a deux. On en a un pour le couplet, une pour le couplet, pardon, et une pour le refrain. Alors pour le couplet, ça va donner, ça donnerait ba ba o o ba o ba ba o ba ba o. Ah ah, je vous le refais. Ba ba o rien. Ok, alors très important que la main droite n'arrête jamais son aller-retour. Je vous le refais. Ba ba o rien. O ba o ba ba. Ba, o. Encore une fois. Ensemble, hein, vous prenez votre gratte. Ba, ba, o, rien. O, ba, o, ba. Ba, o, ba. Ba, o. Sur le refrain, ce sera beaucoup plus simple. Ce sera que des coups vers le bas. 8 par mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Donc la vitesse que vous avez comme ça quand vous prenez le refrain, ce sera exactement la même vitesse sur le refrain. Seulement, on n'aura pas d'aller-retour, on n'aura que des coups vers le bas. Donc, sur le couplet,
ça va se passer comme ça. Sur ce dernier haut, enfin, sur ce haut-là, j'enlève les doigts de la main gauche pour préparer l'arrivée de l'accord d'après, c'est-à-dire... ensemble. D'accord, ça dure un petit moment. Ça, c'est les couplets. Sur le refrain, on aura uniquement l'accord de La et l'accord de Ré. Et là, on aura 8 coups vers le bas sur le La, 8 coups vers le bas sur le Ré. 8 croches, 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on est de retour dans ce couplet. Sur le morceau, c'est que l'accord de Mi, au lieu de le placer directement avec les trois doigts, il place d'abord les deux, et en cours de route, il place... C'est difficile de bosser avec quelqu'un, d'habitude je suis tout seul chez moi, peinard, et puis là non, il faut que, voilà, j'ai un ami qui boive à la bouteille en plus, foiré. Alors, une dernière fois. Ce qui arrive après. C'est pas obligé, hein, bien sûr. Et donc, dans le morceau, une dernière chose, l'accord de La qui est ici et l'accord de Ré peuvent être remplacés par des barrés. L'accord de La, ici avec le bébé power chord, le bébé barré, pardon, peut être remplacé par ce barré-là, c'est-à-dire vous barrez tout la cinquième case et vous placez une position demi majeur avec les doigts restants. Ça, c'est un La. Et le Ré, vous décalez tout en dixième case. Ce qui pourrait donner sur les couplets. Et sur le Ré, pareil. Sur le dernier O, on peut enlever les doigts de la main gauche. Comme ça, on a le temps de revenir à l'heure sur le premier accord. Regardez dans la description, en dessous de la vidéo, là, je marquerai le nombre de fois où il faut jouer le couplet, le refrain, enfin la structure, je ne l'ai pas en tête. C'est un peu les vacances,
Voilà, et puis une fois que cette vidéo sera terminée, on va reprendre la bouteille de Vouvray là où on l'avait laissée. Hein, n'est-ce pas Marc? Ouais, d'accord. Et puis voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur ce morceau. Voilà, donc merci beaucoup, à bientôt j'espère. Et vive la France, vive le Vouvray, voilà, vive les bulles. Salut, ciao.